Maintenant tout le monde veut voir les objets des autres alors. Bande de curieux. Alors Iris. Alors. C'est quoi ça? C'est un costume de danse. Ah bah voilà. Un costume de danse, on dirait un déguisement un peu de Peter Pan au début. Ouais, ouais, ouais. Mais... Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Elle va l'enfiler maintenant. Mais non, parce que c'est un peu trop petit, parce que j'ai un peu grandi depuis. Ah, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite, hein, apparemment, je faisais cette taille. Ouais. Mais je ne sais plus quel âge j'avais. Regardez, on a une photo de vous quand vous le portez. T'as quel âge, là, alors? Bah, je ne sais pas trop. 14 ans? Non, plus jeune, non, je ne sais pas, j'ai 12 ans. C'est vrai, on nous a dit 11 ans, nous. 11 ans, voilà, 11 ans. Vous avez fait quelle chorégraphie avec ce costume, vous en souvenez? Ah, pas du tout? Pas du tout. C'est vrai? J'ai des photos, je me rappelle des photos, mais je sais plus du tout. Vous savez plus? Parce que nous, on sait, on a des images. C'était à cette époque-là. Oh mon Dieu. Alors, t'es où? Moi, je sais qu'il y a des super bouffes. Vous êtes à l'extrémité gauche, ouais, là. Avec des très longs cheveux. T'es où? Avec des longs cheveux. Ah, d'accord. Ah ouais. Alors, vous voyez qu'elles existent, les images. C'est énorme, je les avais jamais vues, en fait, ces images. Ça rappelle de bons souvenirs. Parce que vous vouliez être danseuse, en fait. À la base, vous vouliez devenir danseuse. Ouais, je voulais être danseuse quand j'étais petite, parce que j'étais fan de la Star Academy. Ouais. Et je voulais être danseuse pour Kamel Wally, passionnée de danse. Donc, j'ai commencé la danse pour la Star Academy. Vous avez eu un prof de danse, du coup? J'ai eu plusieurs profs de danse. Ça s'appelait Valley Dance, donc ça s'appelle toujours, d'ailleurs. Valérie et Émilie et Rita. Et alors, votre rêve, c'était de danser pour Kamel Wally. Oui. Et donc, en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que votre rêve est devenu complètement réalité. Complètement. J'ai eu beaucoup de chance parce que Kamel m'a contactée, du coup, le lendemain de mon anniversaire. Hein, si on ouvre les yeux, justement, on voit les signes. Et le lendemain de mon anniversaire, il m'a contactée. Il m'a proposé de passer un casting pour être meneuse de revue. Au Paradis Latin. Au Paradis Latin, pour sa nouvelle revue. Comment il s'appelle votre spectacle aujourd'hui alors qui se joue paradis. En ce moment? L'Oiseau Paradis. Qui se joue en ce moment au Paradis Latin. Ouais. Je suis sur scène et je réalise mon rêve de petite fille. Votre rêve de petite fille. Bon, on continue à s'envoler? Ok. Allez, on ouvre la boîte. Ouais. On ouvre la boîte. You are the sun, you are my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, no, no. You took a chance. It's all my plan. You didn't think it would come crashing down now. You don't have to say what you did. Already know. I found out from you. Now that there's no chance, you and me never be. Don't make a sound. You tell me you love me. Won't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me. Guy.
bravo, bravo bonsoir. À tous les trois. Kamel Wally. Et c'est moi qui suis ému de les entendre et de les voir. Romane et Cécile et Cyril. On a voulu te faire ce petit cadeau. Bonsoir à tous. Je viens. On a voulu te faire ce petit cadeau parce que ils font partie de la troupe du Paradis Latin. Mais c'est un show qui est fait exprès pour toi ce soir. La beauté. Venez vous asseoir, Kamel. Merci infiniment. Iris, ma beauté, voilà, j'avais envie de se faire ce cadeau. Mais on est une troupe plein d'amour et on ne peut pas venir tout seul. Alors, comme je ne viens jamais tout seul, je suis venu avec tout le monde. Mais non. Thank you.